Je m'appelle Marie-Claude Boiteux. Je suis la maman d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la cutis laxa. Quand ma fille est née, il y a 30 ans, donc, on ne savait rien de cette maladie, elle n'était pas étudiée, il n'y avait aucune recherche qui était faite dessus. Les cas étaient vraiment sporadiques et le médecin qui a diagnostiqué ma fille à l'âge de 2 ans, le médecin à qui on a posé toutes les questions qu'on pouvait avoir, à chaque fois répondu non. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un traitement? Non. Est-ce qu'il y a de la recherche? Non. Est-ce que vous connaissez d'autres malades? Non. Est-ce qu'il y a une association? Non. Au revoir, madame, au revoir, monsieur. On se revoit dans 2 mois pour un bilan complet. Voilà. Donc, on est resté comme ça, tout seul, avec la miss, à se dépatouiller comme on pouvait pendant 8 ans. Pendant ces 8 années, bon, après qu'on ait eu le bilan interne et qu'on ait su que, heureusement pour elle, les désordres et symptômes internes étaient plutôt légers par rapport à Bien, oui. l'ensemble des cutis laxa. Ça, elle a... Bon, elle a une base aortique dilatée, un estomac légèrement diverticulé, mais tout ça ne lui donnant pas d'empêchement quotidien ni d'un suivi excessif quotidien, on va dire. Mais il a quand même fallu l'accompagner dans sa différence. Et le problème des maladies de la peau, il faut savoir que la peau, c'est le plus grand organe de notre corps. Et malheureusement, c'est un peu le laissé pour compte de la médecine et de la science, parce qu'on considère que si c'est la peau, ce n'est pas grave. Mais c'est très grave, en fait. Et elle est surtout dans la construction d'un individu. Elle est l'élément grâce auquel on va pouvoir s'identifier et reconnaître qu'on fait partie d'un groupe. Et c'est comme ça qu'un enfant se construit, c'est par identification, c'est comme ça qu'il prend confiance en lui. Et quand on a un enfant aussi différent que ça, dans son image, c'est assez compliqué. Parce que d'abord, vu la rareté de la maladie et que non, 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 on ne connaît rien, eh ben, il ne connaît personne d'autre Oui. qui est comme lui. Et donc, pour arriver à se construire, c'est compliqué. Sachant qu'en plus, ce qu'il reçoit des autres, c'est complètement négatif. C'est le vécu que la miss a pu avoir. À l'école, elle a eu la chance d'avoir sa toute petite enfance dans la montagne, dans une école où ils étaient 18, voilà, où elle était connue depuis l'âge de 2 ans, donc ça c'était bien, mais à l'âge de 8 ans, on a déménagé et elle s'est retrouvée dans une école où ils étaient 180, où personne ne la connaissait. Et où là, je vais être un peu crue, mais elle s'est repris sa différence en pleine gueule. Parce que ça, dans les premiers jours où elle était dans la cour et où il y avait une structure de jeu, il y a des enfants qui sont partis en courant voir la maîtresse en disant « Madame, madame, il y a un monstre dans la structure ». Donc, en fait, il a fallu qu'on invente en fait des choses
qu'on n'avait pas faite avec ses frères et sœurs qui sont beaucoup plus grands qu'elle, c'est de lui apprendre finalement à être un peu égocentrique et à dire les imbéciles, je m'en moque. Ils ne savent pas voir qui je suis réellement au fond, donc je dois les laisser de côté, je ne dois pas m'en occuper, je dois concentrer sur les gens qui m'aiment bien et qui me voient au fond. Et ce n'est pas évident. Il a fallu qu'elle compense son aspect extérieur par beaucoup de charme et une force intérieure qui lui permettait de dépasser ça. Elle a un sourire magnifique et elle est rigolote. Elle a pas été facile à élever parce que justement, dans ce décalage, elle a énormément de caractère et franchement, il y a eu des jours où ce n'était pas de la tarte. Mine de rien, c'est toujours compliqué pour elle. Oui. Parce que récemment, elle a eu un très, très gros coup de mou. Et elle m'a appelée un soir. Bon, elle est complètement indépendante. Elle a son boulot, son petit appart, sa voiture. Elle a pu faire des études. Elle a fait de l'équitation. Voilà, ça n'a pas impacté, comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas impacté son quotidien. L'impact pour elle, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les cutis Lexa, l'impact pour elle, il est plus psychologique et dans sa vie de femme aujourd'hui. C'est après plusieurs histoires de cœur qui n'ont pas abouti, dont une où je pense ne pas me tromper en disant que c'est ça qui a fait capoter l'histoire, c'est la maladie, parce que ce gars n'a pas été... C'est pas qu'il ne pouvait pas assumer sa différence, parce que ça ne les empêchait pas de sortir, c'est une fêtarde, voilà, donc ça les a... Mais il ne voulait pas engager une vie, et il ne se sentait pas assez fort, je ne lui en veux pas du tout, mais il ne se sentait pas assez fort pour avoir des enfants avec elle. Et dans sa détresse, l'autre soir, c'était « Maman, j'ai 30 ans, j'ai tellement envie de fonder une famille et d'avoir des enfants, et j'ai peur que ça n'arrive jamais. Je vais finir ma vie toute seule. » Thank you.